teste des cordes en Kevlar. Donc pour le feu, c'est impeccable. C'est l'une des cordes les plus solides au monde avec le Dynama. Et donc je m'en suis procuré un rouleau et je vais faire un petit test avec ça. Aujourd'hui, montage tarte-tente avec ma chaise et la cale. Donc là, c'est du Kevlar, très très solide. C'est impeccable comme montage. Là, pour 3 jours, ça va être nickel. Bonjour, bienvenue dans les dossiers Un autre Japon. Si vous aimez le bivouac, la randonnée, les beaux paysages et les connaissances en survie, vous êtes au bon endroit. Mon réchaud à gaz Soto. Petite bonbonne de gaz, mais que je recharge avec des plus grosses qui sont moins chères. Avec un système, un petit outil à acheter pour fixer les deux bonbonnes et pour recharger celle-ci. Donc le Soto, le réchaud à gaz Soto, ça fait 4 ans que je l'utilise. Ça marche vraiment bien. Quand il y a du vent, bon, il a quand même de la patate, donc ça marche bien. Mais quand il y a du vent, il faut faire attention parce que si on met quelque chose autour, il y a des chances que l'allume ici brûle et fonde, ce qui serait quand même dommage. Donc ce midi, l'amen japonaise. Je suis au bord de la mer, dans la péninsule de Izu, très bel endroit. Je vais aller me baigner, l'eau est à 26 degrés, température extérieure 33 degrés, altitude ici dans la forêt 300 mètres à peu près. Il fait très très chaud, donc faut pas oublier de boire, attention à l'hyperthermie. Ça peut être dangereux, il y a des gens au Japon qui meurent à cause de ça. Donc boire, prendre des bonbons sucrés salés, ça régule, c'est très bien. Et puis ensuite, quand on peut se mettre un peu au frais, parce que ça pèse très très rapidement et c'est très fatigant. Thank you.
Kanpai. Bonsoir à tous. C'est juste un coup de cœur. Le Morak Nil, qui est ici, me suit depuis quelques années. C'est tout petit, hein, c'est vraiment mini. Mais il sert vraiment. On peut faire des hérissons, on peut faire un petit peu de bâtonnage, faut pas non plus exagérer. Voilà, je me réveille tranquillement. Passé une bonne nuit. D'un côté, j'ai le bruit de la rivière et de l'autre, j'ai le bruit de la pluie. Ça va. Je me suis acheté le iPhone 15 Pro Max. Là, je suis en train de le charger avec ma batterie qui fait 30 000 mAh. Et voilà, là, je viens de faire mon petit déjeuner. Alors je vais utiliser la poêle ultra légère Mumbel. Super journée, une vraie belle randonnée, le temps parfait, pas trop chaud, il devait pleuvoir, il n'a pas plu, campagne. Excellent. Donc là je vais me faire un petit lyophilisé, c'est la marque Mumbel, c'est vraiment bon, ça fait plusieurs années que j'en achète. C'est facile à faire, bon c'est comme tous les lyophilisés, ça change pas. Il y a plusieurs goûts et vraiment c'est cool, j'adore. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à se régaler, c'est nickel. Donc voilà ma poche à eau Mumbel que je mets à l'intérieur du sac. Je fais passer le tube et puis ensuite je peux boire sans avoir sorti la gourde. Et sinon c'est mon filtre à eau Salomon. Les deux, je les utilise fréquemment, n'ont pas la même utilité, mais c'est indispensable. Alors l'idée, c'est d'avoir la poche toujours remplie d'eau pour pouvoir avoir de l'eau. Maintenant, forcément, elle se vide. Donc pour cela, il suffit de retirer le petit bec, le remplacer par celui-ci. Et puis là, ça fait un bel espace pour remplir la gourde sans avoir à sortir la poche du sac. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté du thon ce matin au port. Je vais le couper. Et je vais le manger cru, parce que c'est comme ça qu'on fait au Japon. Hunter. Oh!
Et voilà. Bouton cru. La sauce soju, soyu, soja. La moutarde japonaise, wasabi. Une petite bière japonaise. Du riz blanc. Et que la fête commence. Voilà, les trois jours arrivent à leur fin. Demain, je remballe une dernière balade et je rentre. C'était encore très bien. C'est top. Allez, passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, c'était une très bonne nuit, super sympa. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui, mais il doit faire quand même 28-30. Hein. Je me suis levé tôt pour regarder les oiseaux. Super journée, un peu nuageux, belle balade, des beaux paysages. Donc il fait chaud, hein, et comme je le disais hier, attention de ne pas avoir un coup de soleil. Hyperthermie, et puis donc emmener de l'eau. Là c'est une petite gourde, j'ai dans mon sac mon filtre Salomon,